Bonjour à toutes et à tous, ici Éternel pour les Jeux du Cygne. On se retrouve pour la suite de Europa. Là, Kasia commence à glacer sérieusement. Déjà qu'on n'arrêtait pas de se casser la gueule dans l'épisode précédent, je sais pas ce que ça va donner sur celui-là. Mais d'autant qu'en plus j'ai l'impression qu'on est pas mal dans les nuages, donc j'ai peur que si on se casse la gueule, là, on se casse la gueule loin. Allez, on y retourne. Toujours avec Monsieur Renard. Ribépépère. Ah, et plus d'énergie, là. Il est fatigué. Ouais, elle s'est rapprochée, mais enfin, il y a encore une petite distance quand même pour y aller. Mais même le renard, on a l'impression qu'il est fatigué. Il n'arrive plus à avancer. Ah! Il y a une sphère, on va de nouveau parler à Monsieur Arbre. Oh, il a rejoint sa famille. Mon chouchouki. Au vol. D'accord, on est reparti. Ah non, c'est pas Monsieur Arbre. On essaye de prendre les trucs bleus pour aller plus vite. Ah, trop vite, je peux plus jouer là. Oh non, débile, ah, c'est chiant. Un expert en esquivage de mine. Et là, blum, je m'en prends 5. Alors, les perspectives sont pas forcément folles. Surtout quand il est censé esquiver des trucs en volant en 3D. Ils ont foutu autant de mines. Et on va réaccélérer un peu. Je sais pas si je suis trop net. 4 et 5. Allez, et 6. Ouais. Allez, on en rate pas seul. Ah. Bonjour, monsieur Léviathan. Donc, lui, apparemment, c'est mon copain. C'est ce qu'avait l'air de dire mon papa. Que j'ai été capable de lui parler. Que j'étais la clé pour résoudre ce pseudo-conflit entre des hommes qui comprennent rien et des machines qui comprennent tout. Ouais, on va finir par y arriver à la ville, non? La petite musique planante. Ah oui, je suis rentré dans lui là. C'est lui qui les pose les mines? Bah c'est pas mon copain alors. S'il me crache des mines sur la tête. Oula, fais me prendre une falaise moi. Je vois rien. Et un ascenseur. Ah, quand je dis que c'est un jeu planant, c'est pas juste une manière de parler, hein. Oh, 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 pas trop vite, pas trop vite. Je vais manger un pilote de moi après. Ah non, il va me relâcher des bombes. Il fait un bruit d'hélicoptère quand même, ce machin.
ça va être avec ses grosses ailes de libellule là. Eh ben, on y est presque arrivé là, la ville. Elle a jamais été aussi proche. Oula! Qui? Et boum! Voilà, j'ai réussi à manger le mur juste avant d'arriver. Ah, ça s'invente pas, hein. C'est la dernière seconde, je fais un sans faute sur tout le vol, et je me mange le mur 2 secondes avant l'arrivée. Allez, on va reparler à Monsieur Arbre. You saved my life. 6 years old, you've somehow become wiser than me. We are creating this conflict, and we have the power to stop it. All we have to do is renew this whole sense of difference between ourselves and the gardeners. We are one organism. You are the cure, my son. Ouh, sympa. Je sens que je vais encore tomber de haut, moi. J'ai pas fini de glisser. Ouh. Ascension vers l'île. Mais on n'y est pas dans l'île, là ? Mais si. Non, je peux pas. Ah bah non, je peux pas. Je pensais que c'était une émeraude qu'il y avait au fond. Mais apparemment, non. Là, il y a une recharge. Une augmentation de capacité. Ça va, j'avais peur qu'il faille passer son temps à jumper, mais apparemment, on peut faire ça en volant. Enfin, pardon, en planant, je me rappelle plus comment est-ce qu'il appelait ça, pose d'éclair dans le premier. C'est de la glissade contrôlée, je crois, ou tu sais ça. Non, c'est de la chute contrôlée. C'est ça. Il appelait ça du vol et Buzz appelait ça. Non, Woody appelait ça de la chute contrôlée. Ah! Nous sommes arrivés sur l'île trop tard. Trop tard, c'était. Manque des morceaux. Oula, il manque encore quelques lits. D'accord. Si les pages sont plus complètes, maintenant on va pas y arriver. C'était l'enfer, des gardiens blindés étaient là, ils étaient en plein combat, les éclairs des armes. Tu t'es jeté en plein. Ah! Ne va pas vers la lumière, on a dit, c'est pas bon pour la santé. Et ben voilà! Et avec encore des scarabées bombardiers là. Ah, tiens, elles sont noires maintenant les tourelles. C'est vraiment beau ce jeu. J'ai vu la lumière verte. Donne-moi mon émeraude. Hey, plus que 15.
Tu t'es jeté en plein milieu, tu as dû croire que tu pourrais les arrêter, qu'ils étaient tes amis. Tu as été trop rapide, je n'ai pas pu t'arrêter. Ah! Ça sent pas bon, ça. Je ne sais même pas qui c'était, notre camp ou le leur, quelque chose t'a touché. J'ai couru dans la mêlée, mais il était déjà trop tard. We arrived at the island too late. Too late. It was hell. Armored guardians had arrived. They were locked in battle, weapons flashing. You ran out into the center. You must have thought you could stop them, that they were your friends. You went too fast. I couldn't stop you. I don't even know who it was. Outside, there's something hit you. I ran into the fray, but it was already too late. You can't be gone. I can't accept it. I won't. Mm-hmm. Bonne ambiance. Avant j'étais un petit garçon et que finalement il m'a, comme j'étais mouru, il m'a transformé en robot parce qu'il refusait de me perdre. Donc c'est l'inverse de Pinocchio en fait. Pas d'émeraude visible à l'horizon. What have I been doing all this time? This wouldn't have happened if I'd acted sooner. It's my fault he's dead. I killed my son. No, no, useless. Self-pity won't help me now. All these years of study, it can't be just for nothing. I'm not so powerless, am I? The battle has ended for now, but the island is littered with Gardner remains. There are scraps here, materials. It's not too late. I'll fix this no matter what it takes. I'll save you, Z. Ou alors j'étais déjà un robot et que j'ai été cassé. Je sais pas. Ouh, j'ai sens la grosse tourelle pas gentille là. C'est la grosse tourelle noire. Bon, ça va. Elle a beau être noire, elle vise pas beaucoup mieux que les autres. Donc, Ah, j'ai rien dit. Voilà. Ça m'apprendra à ouvrir ma grande bouche. Raté, haha, bon, pas deux fois. Je t'ai dit que tu m'aurais pas deux fois. Ah, mais t'étais brode. Et du cristal, donc on va arrêter de voler. Voir là-bas, il y a un autre bâtiment là-bas. Non, il n'y a rien. Ah non, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je m'en vais. Quand ça commence à devenir tout blanc l'écran en général, c'est qu'on va pas où il faut. Hop, et on recommence. Alors, du coup.
Ouais, mais là je fais comment? Parce que si je recommence, il va tomber là. Comme je disais, voilà. Donc, ça va. Il m'a gardé ceux que j'avais déjà. Non. Mais je fais comment là du coup? Vu que ça tourne que dans un sens. Je vois pas comment est-ce que je fais pour le récupérer là. Parce que c'est pas moi qui dois le prendre, c'est le cube. Mais je vois pas comment est-ce que je fais pour l'amener là-bas. Ah aussi. Je pense que je vois. Ok. Ben non, en fait, toujours pas. Parce que si je l'amène là-bas, je serais pas plus avancé. Ah si, comme ça. Comme ça. Bah non, parce que là, du coup, je vais être coincé. Ah non, c'est... Voilà, quand même ça, d'accord. Hop. Avec une grosse tourelle noire de nouveau. Raté. Ah ah. Je suis trop rapide pour toi. La dernière fois que j'ai dit ça, elle m'a votré, elle m'a... Elle m'a éclaté par terre. Oula, il est pas passé loin celui-là. Telling me I have to leave the island. Good. To hell with these people. They'll be dead soon enough. They refuse to stop fighting to stop the sickness. Once the gardeners wipe them out, there'll be nobody left except me. Me and my creation. He does as he is told. Or maybe I should say you. Is that you in there, Z? Are you really my little boy? You're breathing and listening and moving around, but you don't ask questions anymore. I don't know if you can even speak. Bon, non, tiens, bien ça. On était un petit garçon, maintenant on est un robot. Oula, deux carrément. Alors, du coup, tac, tac. Mais du coup, ceux-là, ils vont disparaître. Donc, on va faire tac, 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 tac. Hop. Voilà, je les ai tous. Est-ce que je peux arriver à le choper là-bas? J'ai peur que non avec le cristal. Ouais, non, c'était bien ce que je pensais. Si je peux sauter avec le cristal, mais je peux pas planer. Bon, c'est pas grave, j'ai mes trois feux follets. Hop. Et bah disons, ils s'amusent avec leur cube, hein. Alors, comment je fais? Comme ça.
comme ça et comme ça. Celui-là ici. En plus, du coup, je me garde celui-là pour la fin. Celui-là, du coup. Bonsoir. Tranquille, celui-là. Il était facile, celui-là, par rapport aux autres. Mais arrêtez de me bombarder, Pourquoi est-ce que je marche au ralenti, là, d'un seul coup? Je sais pas trop, c'est bizarre. Si ils mettent à deux en plus, je vais pas y arriver. Oui, mais il y a un truc là pour regagner de l'énergie, mais j'ai peur que ça soit un peu haut. Et 2-3, allez! C'est bon, allez! Bye bye! Alors, un cube vert activé. J'imagine qu'il faut que j'aille aussi dans le grand bâtiment là-bas. Hop, celui-là c'est fait. Ah, faut juste que je fasse attention à ceux-là qui me pompent mon énergie. Non, mais eux! Oh, ils m'ont piqué toute mon énergie, eux! Oui, il y a une fontaine là-bas. Ah, mais il y en a un truc là aussi, ce sera plus simple. Mais pourquoi s'il marche au ralenti? Il arrive plus à courir maintenant. Il est peut-être fatigué. Ah, si c'est un robot, peut-être que sa batterie commence à être fatiguée. Allez. Comme prévu, il faut bien aller voir ici. Et de deux. Non, vous arrêtez de m'attaquer, vous. Kept you alive, but so much has been lost in the transition. Was it too much? Maybe the others are right. Maybe I have done something terrible. Maybe you are nothing more than a mechanized corpse, and I am just a foolish old engineer, driven crazy by grief. Bonne ambiance. Pas le premier à avoir voulu jouer à Frankenstein. Il me manque encore un cube normalement. Il me semble qu'il y en avait 4. Le quatrième doit être tout là-haut. À mon avis, on a commencé à se rapprocher de la fin. Aïe! M'empêcher de dormir, de penser que j'ai dormi un peu plus longtemps que prévu. J'ai l'impression d'entendre des voix. C'est pas une impression, j'entends des voix. Alors, faut que j'aille chercher des feux folies, du coup, j'imagine. J'ai une porte à ouvrir, là. Ils sont où, les feux folies? Oh, ou pas. Non. Non.
I'm certain that you are the key, my son. That you can be again with time. The others are wrong. Half of them blindly throw themselves into conflict, and the other half hope to sleep until it's all over. But who will be left to wake them? And how will they know when the time has come? We will return home to continue our work in peace, you and I. We will find a way to exist in the world as it is now. I can only hope that you will outlive all of this. Ah, du coup, j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai à faire. Il y a un truc à activer. Un truc à feu follet. Mais là, j'ai une porte en plus. Où c'est qu'ils sont cassés les feux follets? Mais pourquoi est-ce qu'ils marchent au ralenti maintenant? Ceci est perturbant, je trouve. Non, mais non, mais non, mais non, on a dit, tu arrêtes de disparaître, toi. Ah. Oh. Alors, la porte, j'imagine qu'elle doit être activée par les feux follets, mais Mais question, c'est où sont les feux follets? Ça, c'est the question. C'est the question que tout le monde se pose, c'est où sont les feux follets? Truc pour récupérer du vol. Je sais plus par où je suis arrivé. J'ai pas été voir en bas là. C'est une autre porte. Fermée aussi. Ah, ok. Ça, si je peux faire le tour, je vois pas trop l'intérêt de m'embêter à ouvrir la porte. Bon, j'ai un feu follet. Donc il y a bien des feux follets à récupérer. Je sais pas où sont les autres, mais... Non, faut que je recommence, faut que je remonte. Et bien on va remonter. Bon, j'ai trouvé un feu follet. Je sais pas où sont les deux autres. On va attendre que le cuir apparaisse. Voilà. J'ai l'impression qu'il marche de plus en plus lentement. C'est aussi, j'ai quand même vraiment l'impression. Lui, il était capable de courir là maintenant. Alors, où est-ce que je vais trouver ces autres folies? Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il y a autant de trucs pour planer ici alors qu'il n'y a rien. C'est qu'il doit y avoir des trucs. Ah, eux pour faire un croquis. Oui, je veux bien. Faisons un croquis. D'accord, ceux-là je les avais déjà aussi. Ils sont où les feux follets, eux? Non, ça s'est fermé. Là il y a quelque chose. Non, il s'est fermé aussi. Celui-là, je peux pas les croquiser. Non, ça s'est fermé aussi. Il devait bien être quelque part quand même ces feux follets qui manquent là. Non, à l'étage j'y étais, c'était juste une. Enfin, juste. C'était une émeraude. Là j'y étais, c'était une recharge de. Enfin, une augmentation de charge. Ben, on va aller par là-bas. Hein. Je pense que le but de toute façon c'est d'ouvrir la tour. Oui, donc, oui, bon, c'est bien ça parce que là il y a
Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais comment si je peux? Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais je fais comment si je peux pas planer, je fais comment pour aller chercher le machin? Parce qu'il marche quand même de plus en plus lentement. Oui, je sens que ça va être compliqué ça. Ben, il arrive pas à s'accrocher. Qu'est-ce qu'il se délire là? S'il met bien un feu follet ici, mais. Non, il arrive pas à s'accrocher. Je suis trop loin. Je suis juste trop loin. Le problème, c'est comme je peux pas planer avec le cristal. Non. Alors là, je ne vois pas. Bah là, j'aurais pu, mais le cristal il est disparu. Faudrait savoir, hein. Mais non, ça passe pas. Je pige pas. Oui, c'est bon, j'ai compris que je pouvais pas descendre. Ok, là j'ai réussi. Ok, en fait, il faut que je me laisse tomber pour. Ah, ok. Bon, donc j'ai récupéré mon deuxième follet. Maintenant, faut que j'essaie d'aller en récupérer un troisième. Mais il y a vraiment l'impression qu'il est en train de mourir là. Attends, c'est que là je suis sorti du cristal, donc ça devrait aller un peu mieux normalement. Ou pas. La chance que j'ai, celui-là il va disparaître juste à ce moment-là. Ok, donc ceux-là je peux pas sauter tous les deux en même temps parce qu'au moment où je vais sauter, il va disparaître. Normalement, par contre, je peux sauter là. Voilà, ok. Et j'ai récupéré mon dernier feu follet. Ok. Allez, t'as perdu tout ton jus là. C'est laborieux. Recharge-toi un coup là. Parce qu'il y a vraiment que en flottant que t'arrives encore à avancer là. It is calm tonight. It is calm nearly everywhere now. After everything, I'm still awed by this world we have created. But more than that, I am awed by you, Z. As time goes on and we travel home together, you appear to be doing more than simply existing. It is almost as if you are thinking, choosing. I can't be sure, but I will observe you even closer now. I have this idea. Maybe it could be you, my little boy, the one who decides. The one who makes the decision when, if, humanity should come back to Europa. Can you? Should you? And what would you choose if you did? Ah bah si, sûr que tu me demandes à moi, c'est pas moi qui vais les faire revenir. Donc a priori on a fini.
parce que j'ai reçu un offet me disant que j'avais fini toutes les pages du journal. It is calm tonight. Effectivement, j'ai obtenu toutes les pages du journal. Donc on doit vraiment approcher de la fin. J'ai pas envie de les faire revenir, c'est juste pour qu'ils recommencent à se battre avec les machines et exploiter les ressources jusqu'à avoir détruit la planète, j'aurai pas l'intérêt. On va laisser dormir, à supposer qu'il y a encore quelqu'un à réveiller. Peut-être que les chambres de stase se sont tombées en panne depuis, donc... Éventuellement je fais revenir mon papa, s'il est allé dormir aussi lui. Ça doit être ça les trucs de stase, j'imagine. Oh non, du cristal! Oui. Ça ressemble à une chambre de stase. Hein ? Il est fort possible que nous approchions de la fin. Alors, on réveille ou on réveille pas? Pas si j'ai le choix en fait. Ah, c'est là que sont notées toutes les émeraudes que j'ai récoltées. Ah, il m'en manque 13. J'en ai raté quelques-unes quand même. Ah, cette fois-ci c'est moi-même. Je suis mon propre guide. It might take decades, but those will go back. But what about the others? The ones in stasis? Do they deserve a second chance? No. You have so much to teach them, Zeus. Oui, mais est-ce qu'ils voudront apprendre? C'est ça la question. J'ai pas trop le choix, on est obligé de les réveiller apparemment. Ah ! J'ai des cheveux bleus maintenant. Ah tiens, il a regagné de la vitesse. Évidemment, moi je sauve tout le monde, je réveille tout le monde et c'est moi qu'il faut que je m'enfuis parce que tout est en train de s'effondrer quoi. Je crois qu'on a cassé la ville. Aïe. Ils sont en train de tomber. Mais c'est dangereux comme endroit. Oh.
Ah non ! Hé ! Il m'a cassé mon zéphyr. Je vais être sauvé par le Léviathan. Ah d'accord, et maintenant je contrôle le Léviathan. Ok. Mais ils viennent d'où ces gros cristaux dans la cité là ? Ils étaient cachés où ? J'ai mangé un rocher sur un pont, je sens. Ah, on s'en va. I know it for certain. The human side of you will grow over time. Empathy, curiosity. It might take decades, but those will grow back. Maybe those will return for me as well. We can grow together. The last of the human settlers will be gone soon enough. But what about the others? The ones in stasis? Do they deserve a second chance? Do we, as a collective? You have so much to teach them, Z. If you found these journals, if you've remembered who you are, who I am, then maybe you can guide the next generation down a better path. But will they listen? I don't know. That's the brutal truth of it. Despite everything I've been through, I still don't know if there's any hope for us. Ah bon, moi je suis persuadé que non, mais c'est peut-être ma nature pessimiste. If anyone can decide about tomorrow, it's you. Whatever you turn out to be, whoever you choose to become, however the human and inhuman meld inside your consciousness, it's your world now, Z. It's your future. Et bien voilà. Je crois que nous avons terminé Europa. C'est un des jeux les plus apaisants auquel il m'a été donné de jouer depuis, je dirais bien depuis quelques années, ouais. Vraiment une très bonne expérience. Presque un peu frustrant que ce soit aussi court. Et bien voilà, c'était donc Europa, une très belle expérience, très apaisante, je trouve, avec une histoire quand même plutôt sympa. Et bien, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi, c'était une très bonne expérience, et vraiment un très bon jeu, honnêtement, je vous conseille, pas pour très très cher, vous en aurez pas pour beaucoup d'heures, mais je pense qu'à mon avis c'est un jeu qu'on doit facilement pouvoir recommencer sans,
sans grand souci, si on a besoin de faire une pause un peu dans un monde un peu trop exigeant. Voilà, je trouve que c'est une très belle fable, une très belle poésie. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, également à vous abonner à la chaîne des Jeux du Cygne, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bisous, ciao.